il creuse et c'est avec ça qu'on fait le gravier. Ah, sur la colline en face alors. Mais alors vous voyez on là. On voit que ça a été gratté la colline. Ah ben le trou il est énorme. Hein. Ah ben parce que là vous voyez. Derrière l'herbe. Derrière en fait, l'herbe, ça tombe. Et, d'accord. On voit en face, c'est pas naturel. Ça oui, ça, ça a été gratté là. Ouais. Voilà, tout ça, c'est la carrière. L'espèce de terril, c'est la poussière. Ah ben c'est de la matière, c'est du gravier. Hein. Ah. Et en fait, la centrale, elle sera implantée. On voit là-bas, il y a un truc de la farge, là, oui, vous voyez. Oui. Et bien, juste à droite de la farge, juste derrière là-bas. Derrière les terrils. Là. Voilà, c'est là. C'est là que ça va être installé. Ça sera en hauteur ou dans le trou? Ce sera en hauteur. En hauteur. Ouais, vraiment à ras la carrière, ce sera. À ras la carrière. Et voilà quoi. Donc, alors, il faut savoir que là, juste après la carrière, là, c'est la zone Natura 2000. Il y a une pointe qui revient et du coup, par rapport à l'empreinte, c'est à 125 mètres de la zone Natura 2000. Derrière, en fait, on voit là, il y a le petit bois là. Oui. Et juste derrière, c'est le village. Donc on est à 1 km pile à vol d'oiseau du village de la Ville-Dieu. Ouais. C'est là la zone où ça va être implanté. Donc d'un point de vue environnement, la zone en elle-même, là où ça sera installé, il n'y a pas de... c'est déjà massacré, hein, on ne milite pas par rapport à ça. Ouais. Là où on n'est pas d'accord, par contre, c'est juste la zone Natura 2000 qui est juste derrière, et la population, le village, et également... là, on le voit bien, en plus, là, c'est intéressant, parce qu'on voit bien le pendage, hein. Le pendage, donc, c'est la pente, ici, et on a on est sur le plateau, ça s'appelle la zone aquifère Norvogué. Ça démarre, en fait, on le voit de là, ça démarre là en haut, là, vers l'Escrinée. Ça fait 21 km², là, le plateau, et en fait, il y a une grosse rivière souterraine qui passe tout là-dessous. Ah ouais ? Ouais, tout à fait. C'est la plus grosse réserve en eau potable de la basse Ardèche. Il y a dessous, il y a 30 millions de mètres cubes d'eau. Et il y a en fait une zone de sauvegarde, mais qui a été définie au nord de la nationale, pas là où on est. Par contre, d'un point de vue logique, c'est complètement con, parce que c'est un système noyé, en fait. On a de l'eau qui descend de la combe Rajo de là-haut. Et là, on arrive vraiment à l'endroit où il y a un système noyé, c'est-à-dire qu'il y a le dénivelé qui diminue. Donc on a des grosses nappes qui sont là. Et tout ce système s'évacue au Ponté, les sources du Ponté à Vogué. Il y a donc les débits à l'étiage, c'est-à-dire au mois de juin, c'est énorme. C'est ce qui a été mesuré, 140 litres seconde. On pense qu'il y a de l'eau qui sort plus haut et plus bas. Donc c'est des débits très importants. Ça représente des pourcentages de l'ordre de 1 à 5% du débit de l'Ardèche au niveau de Vogué, hein, c'est très important. Donc là, avec des produits polluants et autres, eh ben on met en danger l'Ardèche qui est juste derrière, quoi, tout simplement. Hein. En fait, ce type de projet, il aurait voulu être implanté à côté d'une rivière, ça aurait été impossible. Tout le monde aurait dit non, c'est pas possible. Par contre, que c'est juste en dessous, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Il faut savoir que là, Il y a des choses qui, parce qu'on a pas mal travaillé, il y a des gens qui nous aident, notamment Thierry Marchand, là, qui est un gars qui connaît super bien ce milieu karstique. Et il nous a expliqué que même là, on voit, il y a des installations, là, eh bien, ils ont carrément remblayé des avennes. C'est-à-dire qu'ils ont mis tout un tas de merde sur les avennes, etc. Parce qu'il y a une déchetterie, là, aussi. Il y a une déchetterie, oui. Donc, ils mettent leurs déchets là. Aussi, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, il y a ce qui est en construction, c'est juste là, il y a un centre de traitement de déchets qui est en cours de construction, qui va traiter les déchets de 149 communes de l'Ardèche. Ça, c'était ce qui était officiel au départ. C'est les déchets de 100 000 personnes à peu près. Au départ, c'était prévu pour 40 000 tonnes. C'est ce qui a été vendu au niveau local. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est qu'un an après, il y a eu un arrêté préfectoral qui a ouvert la possibilité sur trois régions. Trois régions environnantes. Bon, les quantités ne sont pas très importantes en plus, mais quand même, on passe de 40 000 tonnes à 60 000 tonnes. Mais ça, ça a été fait un an après qu'il y ait eu la discussion avec les élus. Donc même les maires du coin, ils ne savent même pas. Quoi. L'arrêté, c'est août 2019. C'est possible, ouais. Arrêté préfectoral. Ouais, c'est ça, août 2019. Donc ça correspond à quoi, le Gard et le Vaucluse ?
Rhône-Alpes Auvergne. Ça c'est nous. Oui. PACA. PACA, donc c'est, j'imagine que c'est le Vaucluse. Ouais, tout ça. Ouais. Et ouais. L'autre, j'ai plus. Après, s'il y a l'Occitanie. C'est ça, Occitanie. Ouais, c'est ça. Ouais. L'été, avec. Quand il y a un niveau de poussière, c'est colossal. Donc tout ce mélange de bitume avec ce mélange de poussière, eh ben, ça retombe sur la garrigue. Et donc il n'y a pas de système d'infiltration, hein, c'est du karst. Donc ça la moindre flotte qui tombe, ploum, tout à l'Ardèche. Et puis nous derrière, quoi, les habitants. Voilà. Ouais. Bah, aujourd'hui, c'est le sabre de cour. Oui, c'est un vieux de la vieille. Ça risque d'être compliqué pour que tout le monde entende les commentaires. Donc on va marcher encore un petit bout dans la zone industrielle avant d'en sortir. Ça va pas trop vous changer de ce que vous avez vu jusque-là. Je voulais vous montrer déjà cet endroit. Donc, pourquoi je peux commencer? En fait, toute cette zone, ça c'était une zone naturelle que j'appréciais beaucoup en tant que photographe de nature. Je venais souvent par ici faire des macros de toutes les espèces méditerranéennes qui remontent jusqu'ici. Parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais là on est juste à côté d'Aubenas. Mais on est sur une zone qui est considérée vraiment comme un réservoir de biodiversité. Et c'est un trésor tout proche d'Aubenas. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte vraiment de la valeur de ces milieux, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est une zone un peu désertique, avec beaucoup de buissons épineux, peu peuplée, parce qu'il y a très peu d'eau. Bon, il y a eu une occupation ici qui était très ancienne, comme on le verra, et une histoire humaine hein, qui a marqué ce plateau. D'ailleurs, c'est un résultat du pastoralisme, la garrigue. Et toute cette unité, du coup, le plateau des Gras, c'est un ensemble qui est immense, qui fait que quelques kilomètres de large, mais qui va de la limite entre le Gard et l'Ardèche, au sud, là où se trouve le bois de paille-olive, jusqu'ici, pratiquement. Enfin, jusqu'au plateau du Coiron. Même de l'autre côté. Oui, c'est exact. Ouais, le plateau du Coron, c'est un massif volcanique qui est sur le plateau des Gras. Et donc c'est un massif de calcaire, de beau calcaire du Jurassique, qui s'est formé dans des mers peu profondes il y a 200 millions d'années. Et peut-être qu'on trouvera d'ailleurs en marchant des fossiles, des restes d'ammonites. Et c'est un milieu karstique, donc avec pas mal de cavités, d'avennes. Il y a tout plein de réseaux aquifères souterrains qui sont très importants pour toute la basse Ardèche. Donc vous avez pu voir pendant toute cette balade que vous avez faite des magnifiques décors, je crois. Donc ce plateau qui est une merveille, il a été sacrifié depuis pas mal de temps déjà par l'implantation progressive de cette immense zone industrielle. Alors j'ai imprimé des captures d'écran là d'une vue aérienne de nos jours. Alors on voit pas encore toute la zone qui a été défrichée derrière nous là dont vous parlerez. On peut la comparer avec le plateau tel qu'il était il y a un demi-siècle. Donc je peux les faire tourner si vous voulez. Ça, on se rend bien compte de la différence. Quoi. Vous voyez ces immenses cicatrices petit à petit qui se développent sur le plateau, qui correspondent à une destruction complète du milieu naturel, mais qui a aussi du coup des conséquences sur tout le plateau alentour avec toutes les nuisances que ça représente. La pollution sonore notamment, même si les oiseaux s'adaptent assez bien. Mais donc il y a tous les procédés toxiques qui sont émis par les industries, voilà, la poussière, des carrières notamment. Et
Ça, là, on se rend pas bien compte parce que dimanche, en traversant la zone industrielle, ça n'a rien à voir. Mais si vous venez en semaine, là, il y a un vacarme permanent, des allers-retours de camions incessants. Enfin, bon, pour mieux se rendre compte, c'est sûr qu'il faut venir en semaine. Alors, par contre, allez-y, moi, je vais vous dire, moi, j'habite à la ville de Dieu depuis 82. On a déménagé le 28 juillet 82. Et on s'est dit, c'est notre rêve d'avoir la campagne, des chênes, parce que nous on n'a que des chênes, puisque moi derrière c'est des chênes. Mais on se rend compte, à voyer avec un temps comme ça, si demain ça sera comme ça, on ne peut pas sortir dehors avec les odeurs. C'est vraiment la zone qu'on ne peut pas en avoir. Et nous maisons, c'est comme ça. Quoi. C'est malheureux, mais c'est là où il faut imaginer que toute cette partie-là a été défrichée, ça, elle va être recouverte de panneaux solaires. Ça va jusque-là. Ah, d'accord. Ouais. Et alors, juste avant, ça, c'est quelle année ? C'était 1950-1960. Une chose dont je suis convaincu, c'est que si le plateau était resté intact et qu'il y avait un projet d'implantation d'usine à cet endroit-là, ça ne pourrait pas se faire, ça paraîtrait complètement aberrant. Mais puisqu'il y a déjà toutes ces usines qui sont implantées, on considère que c'est un endroit qui est déjà sacrifié. Et donc... Donc on peut faire n'importe quoi, je crois qu'on voilà, n'y gagnera pas, de toute façon. Alors, ici, actuellement, on voit la zone industrielle, mais il y a déjà quelques années, je pense, je n'ai pas la date exacte. Là, il y a l'Ardèche, le pont, la côte de ville. Et on arrive au rond-point où a eu lieu le rassemblement. Avec de ce côté-ci, le projet d'installation, où il y a déjà plancher, je pense, qui est là, ou le terreau, je ne sais pas quelles sont les usines. Le Sidomsa qui doit être par là. Et puis la zone Natura 2000, Zinief, qui englobe un peu tout, le plateau des Grains. De ce côté-ci, c'est la balade qu'on va faire jusqu'au camp de César, qui est un peu plus... Donc ça, c'est la zone industrielle de la ville de Vieux-du-Sel actuellement. Et celle-ci, c'est celle dans les années 50-60. Donc on retrouve l'Ardèche, le pont, la côte de ville. Et à peu près à cet endroit-là, on doit être au niveau du rond-point. Avec, on voit une piste qui part. Et de ce côté, on voit que du coup, il n'y a pas grand-chose. Donc tu nous montres l'industrialisation qu'il y a eu depuis... Des années 50-60, et on est en 2020, donc en 50-70 ans, on est passé d'un environnement naturel à un environnement et qui continue à s'étendre, puisqu'il y a les projets de centrales à bitume, de centres de tri des déchets pour 100 000 habitants, de grands champs photovoltaïques. Voilà, oui. Donc c'est la magicienne d'Antelis, c'est la plus grande sauterelle de France. C'est le seul orthoptère qui est protégé. Et dans la bande dessinée Les Vieux Fourneaux, ils recherchent désespérément la magicienne d'Antelis sur un terrain sur lequel doit s'édifier une usine, je crois. D'accord. Et sinon, ici, c'est une menthe religieuse. Non, c'est une sauterelle, ça. Et ici, elle est... Donc, il y a des très belles populations ici. Elle a la particularité de... Il n'y a pas de mâles. Il n'y a que des femelles. Ah, oui. Et donc, la reproduction, c'est une reproduction par ténogenèse. Ah, oui. Les entonnoirs, là. Tu sais, tu trouves des fois, dans le sable, tu trouves un petit trou, là, les un petit entonnoir. Ouais. La taille d'une libellule, mais ça n'en est pas une. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un papillon, je crois. Oui, je crois que c'est un papillon. C'est bon, le bruant froyé. D'accord. L'angoulevent, qui vole avec le bec ouvert et qui avale le vent. Voilà.
Franchement, je vois ça.